Thing, one, Alors, reparti. Bonjour à tous, je salue le monde, particulièrement mes 111 nouveaux élèves de cette nouvelle année scolaire. Rebienvenue, une toute nouvelle capsule de M. Bourdeau. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle notion dans les vecteurs, c'est-à-dire celle-ci, le travail. Grâce à la section suivante, vous allez vraiment comprendre à quoi sert le produit scalaire. Quand on faisait la première formule, la norme de vecteur fois le norme, la norme de l'autre vecteur, fois cos de l'angle entre ces deux vecteurs, qui vous donnait une valeur, qu'on appelait la valeur du produit scalaire, on ne savait pas trop à quoi qu'elle servait, cette valeur-là. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui que cette valeur-là nous permet de trouver le travail. Qu'est-ce que le travail? Chose très simple. Le travail, c'est lorsqu'on déplace un objet. Autrement dit, mettons, je cherche à trouver un objet. Mettons que je prends ici mon tableau blanc. Quand je veux déplacer mon tableau blanc, mais je travaille en réalité. Lorsque je déploie une force, je travaille. Lorsque je déploie une force sur une distance quelconque d'un déplacement, mais il faut que je travaille. Bien sûr, le travail, c'est de l'énergie. Quand je déplace un objet, mais je dépense de l'énergie. Quelle est l'unité de mesure de l'énergie? Je vous mets dans le mille, le joule. En l'honneur d'un physicien anglais. James Prescott Joule. J'avais beaucoup de budget, je vous le présenterais, là, J'aurais un acteur qui arriverait déguisé en hein, James Prescott Joule, mais j'ai aucun budget. Donc, euh, je ne pourrais pas vous le montrer. Mais c'est bel et bien lui, James Prescott Joule, en son honneur qu'on a mis l'unité de mesure de l'énergie, donc du travail. Donc, comme je viens de vous le dire, le travail, c'est de l'énergie, mesurée en joules. Et la lettre qu'on utilise pour le travail elle est la lettre W. Pour quelle raison évidemment pour work en anglais. Oui, avec mon bel accent, work en anglais. Donc, le travail désigné par la lettre W, je vais vous prouver que le travail, c'est pareil à dire le produit scalaire. Donc, le produit scalaire par la première formule qui disait que le produit scalaire était le produit entre les deux vecteurs qui était correspondant à la formule suivante, la norme du premier vecteur fois la norme du second vecteur cause de l'angle θ, l'angle θ c'est pas n'importe lequel, c'était l'angle compris entre les vecteurs dans ce cas-ci, E et V. Par cette formule-là, tout à l'heure, je vous convainc que c'est pareil à trouver de l'énergie, donc du travail. Là je sais, peut-être parmi d'entre vous, il y a plusieurs personnes qui se demandent, un joule, un joule d'énergie, c'est-tu beaucoup ou pas beaucoup? C'est-tu un très grand travail, c'est-tu une très grande énergie qu'on déploie ou c'est une petite énergie, un joule? Un joule c'est équivalent à faire le travail suivant. Donc, admettons que je prends deux objets. Oh! Deux bas de golf. Quel drôle d'hasard. Si je prends deux bas de golf et que je les dépose au sol, un joule d'énergie, c'est équivalent au travail suivant. C'est-à-dire, je prends deux bas de golf et je les soulève à un mètre d'auteur. Ceci est l'équivalent en termes d'énergie à dépenser un joule d'énergie. Soulever deux bas de golf à un mètre. Donc, c'est juste ça, un joule dans ma tête. Fait que si je dépense, admettons... Euh, J'invente 400 joules, mais 400 joules, c'est dire 800 balles, genre que je lèverai à un mètre du sol. Donc, allons-y, faisons ensemble un exercice. Trouvons le travail ou l'énergie déployée pour déplacer une laveuse. Donc, évidemment, je fais un super beau dessin juste pour vous à la maison. Donc voici, en réalité, moi. Oui, je me suis autodessiné moi-même. C'est assez concept quand on regarde comment je suis habillé et comment j'ai fait mon bonhomme. C'est moi. Donc dans ce cas-ci, voici mes indices dans le but de trouver l'énergie ou le travail que je dépense pour déplacer une laveuse sur 5 mètres à l'horizontale, sur 5 mètres de déplacement ici à l'est, en déployant une force de 300 newtons orientée à 20 degrés. À moment que je fais le travail suivant ici. C'est comme j'attachais une corde sur la laveuse qui est déposée sur un petit plateau avec des petites roulettes et je tire la laveuse avec une force de 3-5 newton orientée à 20. Si je tirais, admettons, comme cette force, en réalité, pourquoi je tire mal? Pourquoi je ne tire pas bien si le but est de tirer la laveuse à l'est? Quand on y pense, je ne tire pas bien car je tire trop vers le nord. Je tire trop avec un grand angle, genre dans ce cas-ci, 20 degrés. Si j'avais eu à bien forcer, mais j'aurais tiré avec une force de 300 newtons directement dans le même sens que mon déplacement. Ce qui m'amène à vous expliquer un nouveau concept de force effective. Qu'est-ce qu'une force effective? C'est très simple. C'est la force qui permet de déplacer un objet. Ou c'est une force qu'on pourrait qualifier comme étant la force qui tire dans le même sens que le déplacement. Car c'est ça une force effective, une force efficace. C'est une force qui permet bien sûr de déplacer l'objet de la laveuse et c'est une force qui devrait tirer dans le même sens que déplacement pour que je sois efficace. Voici le concept de force effective. Donc, si vous remarquez bien, comme je viens de stipuler par le concept de force effective, ma force 3 Newton orientée à 20 degrés n'est pas efficace car je tire beaucoup trop au nord. Donc je n'utilise pas entièrement mon 3 Newton dans le but de déplacer à l'est ma laveuse dont la force effective, dans quelques secondes, vous allez voir qu'elle va être en bas de 3,5 Car je n'utilise pas entièrement mon 3,5 pour le but de déplacer ma laveuse à l'est. La Donc voici ce que j'entends par maintenant la formule du travail. Au sens large, voici la formule du travail. Le travail, en joules, c'est carrément égal au produit entre la force effective fois le déplacement. Autrement dit, plus que je force pour déplacer un objet, plus je dépense de l'énergie et également plus je déplace sur une très grande distance un objet, mais plus que je vais dépenser aussi des joules en énergie. Donc on dit que le travail en joules est directement proportionnel mais à la force effective ainsi que le déplacement. La force effective, toujours mesurée en newton, Je vais marquer un petit n juste au-dessus. Et bien sûr, le déplacement, toujours mesuré en mètres. Tout à on va voir que des joules, c'était au départ des newton mètres ce que plus tard, des Newton-Mites, en l'honneur de James Prescott Joule, on les a changés, les, les New Newton-Mites, en Joule, ce qui est l'équivalent. Donc, je ne perds pas de vue mon objectif, c'est-à-dire vous prouver que le travail, dans quelques minutes, c'est pareil à dire le produit scalaire, c'est-à-dire par la formule ici suivante. Mais au départ, je peux par le travail égal à la force effective fois déplacement. Le déplacement sans longueur, je l'ai. C'est clairement ici 5 mètres. Donc, en partant, je l'ai mon 5 mètres de mon déplacement. Mais à date, je n'ai pas encore trouvé ma force efficace, ma force effective, ma force dans le même sens que le déplacement. Pour la retrouver, voici un petit croquis plus théorique, mon beau petit dessin côté pratique juste au-dessus. On va trouver ensemble la force effective. Chose très simple, la force effective est la force dans le même sens que le déplacement. Pour la retrouver, je n'ai qu'à retransposer ici mon 300 N en termes de ses composantes. Pour bien le voir, je vais les tracer ici en rouge les composantes respectives à mon 300 N. Donc voici la composante en X. Je vais l'appeler carrément, comme à l'habitude, delta X. Et voici à son perpendiculaire, mais bien sûr, mon delta Y. Vous ne l'avez jamais su, mais toute force peut être redécomposée en une force horizontale et en une force verticale. Donc, j'ai une force en réalité ici en delta x. Donc, la preuve, je vais mettre une flèche dans le même sens que mon delta x. Et également, j'ai une force, bien sûr, qui me permet ici de monter vers le bout de ma flèche à mon 3,5 N. Voici ma force en delta y. Donc, toute force est redécomposable en une force en x et en une force en y, qui suit bien sûr ici mes deux composantes. En réalité, on jase. Quelle est la force effective? La force en X ou la force en Y? La force effective étant la force qui me permet de déplacer mon objet. Bien, je vous mets dans le mille, c'est la force ici horizontale, car c'est la force qui est dans le même sens que mon déplacement. Trouvons ensemble, donc, la force en X. Donc pour trouver ma force en X, qui est bien sûr ma force effective, je vais me servir de mon triangle rectangle. C'est-à-dire, pour trouver delta X, la force effective, de sin, cos ou tan. Bien évidemment, j'ai mon hypoténuse en newton, 300 N de ma force bleue initiale. J'ai l'angle de 20 degrés. Je cherche le côté delta X, qu'on appelle le côté adjacent, qui est ma force effective en fait. Donc, tous ces indices sont intimement liés au rapport cosinus. Donc, grâce à cosinus de l'angle 20, je trouverai assez aisément delta X ou ma force effective, ce qui est pareil. Allons-y à ce sens. Donc, je pas, oh, grâce à cos de 20 degrés, c'est carrément égal au rapport entre le côté adjacent sur mon hypotenuse. Le côté adjacent, c'est elle ma valeur de ma force effective. Donc, je vais écrire au complet, soit delta X ou encore plus clair, force F effective. Donc, côté adjacent sur l'hypotenuse qui monte 300. Mon but, c'est de trouver la grandeur de ma force effective. Je vais les aller en faisant fois 300. À droite, et bien sûr, ici, à gauche également. De cette, de cette façon, j'aurai ma force effective ainsi isolée à ma droite. Donc, cos de 20 fois 300, juste par pur esthétisme, je vais inscrire ici 300 en avant de mon cos de 20. Donc, 300 cos de 20, c'est carrément égal à ma force effective. Oups, effective. Donc, on vient de trouver la force effective ensemble grâce au rapport trigonométrique cosinus. Donc, elle est égale au produit entre 300 fois cos de 20. Donc, si vous calculez ceci avec votre calculatrice, 300 multiplié par cos de 20 degrés, vous devrez obtenir la valeur suivante. 281.91 newton. C'est-elle ma force, là, je vais abréger ici, là, effective. C'est-à-dire la force qui nous permet de déplacer la laveuse vers le même sens que mon déplacement. La force, donc, efficace, et 281 .91 newtons. est 281.91 newton. Ce qui a quand même du sens, car comme je force pas bien, c'est-à-dire trop au nord lorsque je veux tirer dans mon but, mon objectif vers l'est, mais je perds de la force, je pas entièrement mon 300 newton. Et c'est le cas, 281.91 est bel et bien une valeur qui est dans le même sens que ceci, un petit peu inférieure à ma force 300 newton. Donc voici ma force effective, je vais revenir à l'arrière de ma formule de mon travail, aller la planter dans cette règle, cette équation, dont la force effective est donc 281.91. Et donc, grâce à ces deux quantités, on a trouvé le travail ensemble en joules. Donc, le tour est joué. On vient de trouver ensemble, bien sûr, la force effective ainsi que le déplacement que j'avais, bien sûr, au départ dans mon petit croquis comme indice. Donc, le travail est donc égal au produit entre 281 et 0.91 fois 5. Donc si vous calculez ceci, ça devrait donner le, vous donner le travail suivant 1409,54 joules. J'ai bien sûr pour joules. Donc voici l'énergie que je dois déployer. En tirant la laveuse avec une force de 300 N orientée à 20 sur un déplacement horizontal de 5 mètres, cette énergie que j'ai dépensée, c'est elle, 1409.54. Par contre, rappelez-vous mon grand objectif. Oui, ça de trouver en particulier l'énergie déployée pour tirer la laveuse. Voici ma réponse. Mais je vais vous montrer à quoi servait le produit scolaire. Et d'entrée de jeu, je vous ai spécifié il y a quelques minutes que le travail, c'était mon produit scolaire. Donc, je vous prouver que ce calcul-là, qu'on avait ensemble pour trouver le travail, c'est pareil en réalité à cette formule du produit scalaire. Car le travail W, c'est égal au produit scalaire. Puis en voici la preuve vivante, moi devant vous. Autrement dit, la réponse n'est pas importante pour moi. Je vais me servir de cette ligne. Même que je vais effacer ma réponse, qui était la suivante tantôt, 1409,54 joules, et je vais me servir plus. Du calcul précédent ici. Donc, je vais le remodeler pour vous convaincre que ce calcul-là, c'est le même que le produit scolaire entre les vecteurs force et déplacement. Donc, j'y vais. Donc, okay. W est égal à la force effective. Par contre, 281 pour 91, l'origine de ce chiffre, c'est ce calcul ici. Donc 300 cos de 20, c'est l'origine du calcul pour parvenir à la valeur de ma force effective 281,91. Donc je vais substituer 281 par son calcul, son origine. Donc voici 300 cos de 20 degrés, séparé à bien sûr la réponse calculée, 281.91. Multiplié par le 5 mètres, je le traîne. Ceci, je ne sais pas si vous vous rappelez des anciens souvenirs, ça ressemble étrangement à cela. Ou, autrement dit, le travail est égal. Je suis remodeler ces trois facteurs, 300, cause de 20 et 5. Je vais déplacer le 5 pour le mettre devant le 300, pour qu'on puissiez comprendre où est-ce que je m'en ligne. Donc, par commutativité, ça peut dire du produit, c'est-à-dire je vais mettre le 5 à l'avant du 300 et je traîne bien sûr mon cos de 20. On remarque très bien que 5 est la norme du déplacement. Le 300 est la norme de ma force. Et le cos de 20 degrés est bel et bien 20 degrés. L'angle entre mes deux vecteurs, force et déplacement, c'est carrément égal à bien sûr la formule suivante de mon produit scalaire. Pour la rendre plus claire, mon explication, W égale en réalité 5, c'est la grandeur, la norme de mon déplacement, fois 300. Qui est la norme, la grandeur de ma force que je tirais tantôt ma laveuse, donc mon lancé 300 en réalité. Et cos θ, θ, c'est l'angle entre le déplacement et la force. Donc voici réellement la preuve. Vous le voyez super bien, je le sais, que le produit scalaire, c'est égal à un scalaire. Ce scalaire-là, c'est travail, c'est votre nombre de joules. Donc à quoi ça le produit scalaire Ça sert carrément à trouver l'énergie qu'on déploie. Dans le but de déplacer un objet, n'est-ce pas fantastique? Donc retenez bien une chose, que le travail c'est carrément égal à la formule suivante du produit scalaire, mais je sais que son origine c'était la formule suivante. Le travail en joules est égal à la force effective fois déplacement. Mais vaut mieux utiliser une formule que vous maîtrisez bien, c'est-à-dire son équivalent, celle-ci. La grandeur de votre déplacement fois la grandeur de la force fois cause de l'angle entre le déplacement et la force. Donc dorénavant, vous n'aurez qu'à faire ceci, c'est-à-dire la grandeur de votre déplacement en 5 fois la grandeur de la force 300, cause de longue entre les deux vins pour trouver votre nombre de joules, l'énergie dépensée pour déplacer un objet. Mais par contre, je ne t'aimerai jamais mes capsules en terminant par des propos comme que je viens de le faire, mais par, mais par souvent une anecdote. Et oui, j'ai une belle anecdote à vous raconter. Je pense que je ne l'ai jamais dit, je suis abonné à Québec Science. Oui, Québec science. Grosse pub pour le monde entier. Québec Science, les revues pour les jeunes et les moins jeunes, il faut le dire. Et il y avait une revue à un moment donné, un numéro, c'est-à-dire qui traitait bien, du sport, du hockey. Donc, et évidemment, on traitait également de l'énergie. Puis dans euh, certaines sections, on pouvait lire que si deux joueurs, deux gros joueurs, donc deux gros joueurs, style d'environ 110 kg chacun, filaient à une vitesse extrême, c'est-à-dire à une vitesse d'environ 25 à 30 km/h, et l'un donnait une mise en échec à l'autre. Mais lorsque deux objets rentrent en contact les uns avec les autres, mais ça dégage de l'énergie. Pensez à un qui vient frapper la Terre, mais il y a plein d'énergie qui sera dégagée. C'est pareil, ok? En plus petite mesure, par contre, là. Donc, lorsque deux joueurs rentrent en contact l'un avec l'autre, deux gros joueurs, genre 110 kg chacun, avec une vitesse genre de 30 km à chacun, mais c'est prouvé que l'énergie Déployé serait équivalent à environ 7024 joules. Mais 7024 joules, on pense que c'est petit, mais si on était capable de capter cette énergie de 7024 joules, ça générerait assez d'énergie pour allumer une lumière de 60 watts pendant près de deux minutes. Donc, si on était capable de capter l'énergie d'une grosse, 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 mais j'en échec, mais ça équivaudrait à environ une lumière de 60 watts pendant deux minutes. Donc, allumer, imaginez. Donc, c'est comme si vous, pareil, comment que l'énergie, elle est partout, même au hockey, même dans vos cours de maths, imaginez. Donc, c'est tout pour moi. Donc, passez une belle journée, une belle soirée, peu importe. Peut-être qu'on se retrouve plus tard. Gros suspense. À plus.